Bonsoir à tous et bienvenue sur bigwebtv.fr. C'est parti pour Rugby Time. Nous sommes le dimanche 26 janvier 2014 et nous sommes comme chaque dimanche soir avec notre consultant Philippe pour revenir sur toute l'actualité du rugby Top 14 et Pro D2. Bonsoir Philippe. Bonsoir Martin. J'espère que tout va bien pour vous, que le week-end a été bon. Tout va bien, oui, parfaitement bien, Martin. Et on va donc, sans plus tarder, commencer par parler de Top 14 avec le premier résultat. C'était hier soir, Brive affrontait Toulon et c'est Brive qui s'est imposé 23 à 10. Une surprise donc. Oui, oui, clairement c'est une surprise. On pensait pas quand même que Brive aurait été capable de faire tomber l'Armada toulonnaise, parce que Toulon s'était quand même déplacé avec une très très belle équipe. C'est vrai que on y reviendra, Martin, mais on entre dans ce qui est bien évidemment un peu considéré comme l'injustice hein, de cette partie de saison où, du fait du 15 de France, du tournoi d'équipe nation, pas mal de clubs vont voir une partie de leur effectif amputée, voire même pour certains très très sérieusement amputée. Je pense à Toulouse. Toulon, évidemment, a aussi son lot d'internationaux, donc non présents sur la feuille de match d'hier. Mais malgré tout, quand on voit quand même le potentiel qu'il y a à Toulon et donc l'équipe qu'il avait que Laporte avait mis hier, on pouvait malgré tout s'attendre à une, on va dire, pas une rébellion, mais en tous les cas, une prise en main de ce match un petit peu mieux, en fait. Ça n'a rien été du tout. Moi, j'ai trouvé des Toulonnais très, très apathiques, un petit peu hors du coup, hors de leur sujet. Alors, est-ce que c'est pas le contre-coup de la Coupe d'Europe? C'est pas impossible, parce qu'on va voir que, finalement, les trois équipes françaises à s'être qualifiées en Coupe d'Europe ont fait des mauvais matchs, faut quand même le reconnaître. C'est sûr, entre la Coupe d'Europe qui s'est terminée pour ces clubs et le départ de certains de leurs internationaux, l'addition commence à être lourde. Bon, ça n'empêche pas que Brive est très très accrocheuse, on l'avait déjà souligné, Martin. Sur leur terrain, les brivistes sont une équipe redoutable et hier, dans leur fief d'Amédée Domenech, ils ont réussi à non seulement à gagner, mais surtout à priver également les Toulonnais du bonus défensif. Donc, bravo aux Brévis. Mmh. C'est une petite chose. Toulon a payé quand même cher hier son match, puisque, a priori, le deuxième ligne d'équipe Botta a probablement un avant-bras fracturé qui va l'éloigner des terrains pendant quelques semaines. Voilà donc pour Brive-Toulon, on rappelle le score, donc 23 à 10 pour Brive. Bayonne jouait quant à lui face à Clermont, et là encore c'est Bayonne qui s'est imposé 18 à 9. Un petit peu pareil que Toulon, Martin, entre une équipe de Bayonne qui avait absolument, absolument besoin de points, et une équipe de Clermont qui là aussi contre-coup de la Coupe d'Europe, et puis joueurs internationaux dans le 15 de France. En plus, Clermont, au contraire de Toulon, collectionne plutôt un nombre de joueurs blessés assez impressionnant. Donc, je crois qu'ils avaient envoyé pas loin de 7 espoirs, qui sont d'ailleurs quasiment tous rentrés. On avait quasiment eu une deuxième mi-temps où l'équipe de Clermont était composée l'équipe qui joue tous les dimanches dans le championnat des espoirs. Donc évidemment, ça nivelle terriblement le niveau. Bon, à côté de ça, Clermont n'a pas fait non plus, comme Toulon, un gros gros match. Hein. Très très vite, ils ont été bousculés par cette équipe bayonnaise qui mérite mille fois son succès. Par contre, Clermont peut se mordre les doigts parce qu'il avait le bonus défensif dans les mains et il l'a doublement perdu, une première fois en faisant une faute bête 2 minutes de la fin, une deuxième fois en ratant quelques secondes après une pénalité en face des poteaux. Mais voilà, c'est le rugby, c'est comme ça, donc mauvaise opération aussi pour Clermont, tout comme Toulon. Grenoble-Perpignan et la victoire de Grenoble, 25 à 19. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de Grenoble ? On verra le classement tout à l'heure, Martin. C'est vrai que ces Grenoblois sont surprenants. Et d'un autre côté, on peut plus vraiment, vraiment les considérer comme une surprise. L'an dernier, oui. C'est vrai qu'on les attendait pas à si belle fête. Mais là, cette année, quand même, on s'attendait
Et on s'attend malgré tout toujours à ce que Grenoble, maintenant, concrétise un petit peu tout ce qu'ils ont mis en place depuis maintenant 2 ans, c'est-à-dire un jeu parfaitement bien huilé et puis des recrutements de très très haut niveau et surtout des recrutements qui remplissent parfaitement leur job. Voilà, donc face à une équipe de Perpignan qui avait énormément besoin de points, ils ont quand même pris un bonus défensif qui est la moindre des choses, même si le cas de Perpignan est inquiétant, Martin, on verra tout à l'heure avec le classement. Mais en tous les cas, les Grenoblois, ils épatent quand même tout le monde, ils épatent le top 14, et très honnêtement, maintenant, il faut les considérer comme de sérieux prétendants, Martin, pour les 6 premières places en fin de saison, parce qu'il ne reste que 9 journées, hein, mine de rien, ça va aller très très vite, Martin. Et effectivement, 17e journée déjà. Voilà donc pour Grenoble. Montpellier à présent donc face à Bordeaux et la victoire de Montpellier 28 à 23. Ouais, une victoire montpelliéraine importante parce que si Montpellier veut justement accrocher une de ses places, une victoire était impérative. Mais ils sont tombés sur des diables de Bordelais très très accrocheurs qui repartent eux aussi avec le bonus défensif, mais en produisant un volume de jeu super intéressant. Là aussi, Bordeaux-Bègles, pas comme Grenoble, hein, ils ont quand même moins de points au classement, ils doivent essayer de s'échapper de cette zone de relégation. Mais je trouve que c'est une équipe bien, bien en place, c'est une équipe qui s'est bien, très, très bien joué son rugby et qui pose des problèmes à tous les adversaires. Donc, victoire importante pour Montpellier, mais belle résistance de Bordeaux. Belle victoire du Racing Métro sur le Stade Toulousain, 25 à 5. Voilà, donc tout comme Toulon et Clermont, Toulouse est la troisième équipe à payer très très cher, hein, à la fois sa qualification pour la Coupe d'Europe, avec, je vous le rappelle, à Martin, quand même le fait d'avoir perdu du sautoir pendant plusieurs mois, donc ça c'est quand même très très embêtant. Et puis Toulouse, c'est quand même l'équipe qui laisse partir le plus d'internationaux. Donc là, on a assisté aussi à un match très déséquilibré entre une équipe de Racing qui était malgré tout quand même bien mieux armée que l'équipe de Toulouse. Et ça s'est vu pendant le match, il y a hélas pas eu tellement de surprises. Très rapidement, les Parisiens ont marqué le bonus offensif, mais voilà, à vouloir peut-être trop sûr, en toute fin de match, ils ont laissé échapper le bonus offensif. Paramétrique que Toulouse a mis pour l'honneur, parce que de toute façon, ça ne leur rapportait rien du tout. J'étais trop loin pour le bonus défense. Donc, belle victoire du Racing, qui leur fait un petit peu de bien comptablement parlant, parce qu'on l'a vu pendant la Coupe d'Europe, le Racing en a un petit peu bavé, même depuis le début de la saison. Voilà, 4 points qui sont bien au chaud pour eux, et pour Toulouse, eh bien, ils vont essayer de gérer au mieux. Mais tout comme Clermont, Martin, tout comme Toulon, il n'est absolument pas écrit que ces trois équipes vont pouvoir forcément accrocher une des 6 premières places, ce qui serait quand même une colossale surprise. Hein. Voilà donc pour le Racing donc, et Stade Français face à Castres et la victoire du Stade Français 32 à 6 face à Castres. Elle est peut-être là l'équipe surprise, et pourquoi pas. Est-ce que le Stade Français va nous faire un 4-10, Martin, comme on l'a vu l'an dernier? Et si le Stade Français allait monter progressivement en puissance et finir allégé d'une compétition qui est la Mini Cup, qui n'a rien à voir avec la H Cup en termes d'intensité, donc allégé, je dirais, de ce poids de cette compétition? En tous les cas, le Stade Français, il y a du talent. Il y a des jeunes joueurs qui sont absolument remarquables, hein, quand on pense à Jules Pisson, à Hugo Bonneval. Quand on pense à l'Aurélien Fidjien, hein, qui a fait un match absolument stratosphérique. Voilà, on peut se poser quand même la bonne question de dire est-ce que le Stade Français allait jusqu'au bout. C'est pas possible, Martin. Moi, je la trouve efficace. Imperturbable sur leur terrain de jambouin, accrocheuse extérieure, et encore une fois, je trouve qu'elle monte en puissance. De toute façon, dans 15 jours, puisque là, la semaine prochaine, tournoi destination oblige,
le top 14 va se mettre entre parenthèses. Il y a un choc maintenant dans 15 jours, hein, clairement au Stade français, au Marcel Michelin, il va valoir très 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 cher pour les deux équipes. Parce que si le Stade français gagne à Clermont, ils auront, je pense déjà, moi c'est un grand grand pas pour être dans les 6 premiers, et peut-être dans ce cas-là, si Clermont perd, peut-être que déjà Clermont serait en danger justement dans cette première place. Voilà, donc beau match encore à venir en perspective, et puis une très très belle équipe du Stade français qui a marqué donc le bonus offensif contre face à des Castres, totalement dépassé en deuxième période. À suivre de très près tout ça, Martin. Philippe, on va à présent s'intéresser au classement au terme de cette 17e journée de top 14, alors qu'il reste bien évidemment, vous l'avez dit hein, tout à l'heure, 9 journées. Alors, le Stade français se retrouve donc en première position, on en parlait, avec ses 52 points. Clermont, deuxième avec 50 points. Castres, derrière, troisième, 46 points. Grenoble se retrouve en quatrième position. Toulon, après sa défaite face à Brive, est 7e avec 42 points. Derrière, on retrouve le Racing à 42 points également. Brive est donc 9e, 39 points. Bordeaux, 10e, 37 points. Et puis enfin, en 13e position, on retrouve Oyonnax, 33 points. Et Biarritz, 14e avec 17 points. Biarritz qui ira en Pro D2, c'est sûr, hein, ira en Pro D2 l'année prochaine. Donc c'est bien mal engagé. Il faudrait vraiment un concours de circonstances pour que Biarritz effectivement reste dans ce top 14. En tous les cas, le match Biarritz-Oyo n'a pas eu lieu, hein, Martin, puisque il y a un déluge à Aguilera, donc le match a été reporté. Il est évident, Martin, que si Biarritz en retard, ça sera un match recalé en quelques semaines. Si Biarritz ne gagne pas Oyonnax, oui, là, très certainement, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'on pourra quasiment proposer ces Biarros à la Pro D2, c'est certain. Voilà, et donc Oyonnax, qui était donc premier l'année dernière en Pro D2, se retrouve là, avant-dernier. Eh oui, difficile le top 14, hein, entre les deux. Les deux championnats, plus exactement. Il y a vraiment une grosse marche à monter, un gros gouffre qui sépare ces deux compétitions. Voilà donc pour la rubrique top 14 de Rugby Time. On passe à présent à la Pro D2, à commencer par Colomiers-Mont-de-Marsan en cette 18e journée et la victoire de Colomiers 18 à 11. Voilà, un résultat intéressant, important pour le Colomiers. Il fallait que, avec cette victoire, il fallait qu'il puisse rester plutôt dans la bonne partie du classement, c'est chose faite. C'était un match assez fermé, mais Colomiers, à l'image de son début de saison, sait gérer ces chocs un petit peu importants, un petit peu clés. Parce que c'est vrai que Mont-de-Marsan, on l'a souligné depuis, on a commencé à suivre cette Pro D2, Martin. Mont-de-Marsan est quand même une des grosses déceptions de ce championnat de Pro D2. Mais malgré tout, ils ont un effectif qui peut poser des problèmes à toutes les équipes. Là, donc face à Colomiers, c'était le cas et les Colomérins ont réussi à prendre les 4 points de la victoire. Mont-de-Marsan repartant malgré tout avec un bonus défensif. Mais c'est vrai que les Montois n'arrivent pas cette année à se repositionner de manière très très ambitieuse dans cette Pro D2. Dax face au Stade Rochelet, la victoire de Dax 12 à 9. Ultra importante victoire de Dax, pour qui tous les points comptent, surtout les points à domicile, face à une équipe rochelaise qui est restée sur d'excellents résultats sur ces dernières journées. C'était un match un peu à l'ancienne, très très fermé, pas du très beau rugby, mais il fallait penser d'à quoi assurer l'essentiel, c'est ce qu'ils ont fait. La Rochelle se contente d'un maigre point de bonus défensif. Et pour eux, c'est quand même une petite contre-performance d'avoir perdu à date. Narbonne face à Pau, la victoire de Narbonne 25 à 19. Et Narbonne qui continue de confirmer, Martin, c'est le 4e succès de suite des Narbonnais. On les voit, hein, depuis maintenant plusieurs mois, ces Narbonnais sont bien installés dans la Pro D2 et
un petit peu comme le Stade français. On sent vraiment une montée en puissance progressive de cette équipe. Et là, elle s'est taillé le scalp d'un des prétendants à la remontée en top 14, en remontée directe hein, d'ailleurs, la section paloise, qui restait aussi sur d'excellents résultats. Mais là, ils sont tombés sur plus fort que les Palois. Donc, belle victoire de Narbonne. On le verra avec, de ce fait, un très bon résultat comptable pour les Audois. Maintenant, pour repart, malgré tout, avec un bonus défensif, chèrement, mais précieusement acquis. Victoire d'Agen sur Béziers, 28 à 16. Et une victoire à Genève, je dirais, relativement tranquille. Hélas, peut-être un petit regret pour les Agenais, c'est d'avoir raté le bonus offensif. Ils avaient fait le plus dur, hein. Ils avaient marqué 3 essais et Béziers en a inscrit un en deuxième mi-temps. Ils ne sont pas parvenus après les Agenais à reprendre le bonus offensif. On peut dire que c'est peut-être la seule véritable déception pour les Agenais. Mais la victoire est là, c'est important et surtout au niveau du classement. On va voir, Martin, que les Agenais reviennent sur les talons de nos amis lyonnais. Auch qui s'impose face à Carcassonne 34 à 13. Match de la peur, Martin. Match de la peur entre deux équipes qui sont en proie là déjà à une descente en Fédéral 1. Donc c'est une victoire pour Auch ultra ultra importante. Et du coup, il laisse la dernière place à Carcassonne au classement, qui continue alors là de s'enfoncer inexorablement. Et on ne sait pas bien comment la Carcassonne va pouvoir sortir de là. Les gars, ils ne trouvent pas la clé. Et c'est très, très inquiétant. Donc, encore une fois, pour Auch, quelle précieuse victoire, en tous les cas, pour leur terrain. Aurillac-Bourgoin, victoire d'Aurillac, 19 à 6. Ouais, pour Aurillac, il fallait stopper aussi l'hémorragie. Ça n'allait pas bien depuis quelques semaines. On l'avait noté, Martin, pour une équipe avec beaucoup, beaucoup d'ambition, tout comme Mont-de-Marsan. Mais voilà, ils ont calé Aurillac sur des matchs clés. Je disais tout à l'heure, par rapport à Narbonne, qui arrivait à chaque fois à prendre le bon virage. Non, pour Aurillac, c'est plus compliqué. Donc, je pense que le Stade Aurillacois va réviser ou a dû réviser un petit peu ses ambitions à la baisse. Et peut-être rester un petit peu dans le ventre mou du championnat et essayer de faire le minimum, comme ils viennent le faire face à Bourgoin, qui, là aussi, après un début un peu tonitruant, hein, Martin, des Bergaliens, marque aussi un peu le pas. Et voilà, c'était presque deux équipes en proie au doute, là, ce match, et c'est Aurillac qui s'en est sorti, et Bourgoin qui ne ramène même pas un petit point de bonus défensif. Bourg-en-Bresse se déplaçait à Tarbes ce week-end et c'est Tarbes qui s'impose 14 à 9. Eh oui, les joueurs de Bourg, chaque semaine, on souligne leur courage, hein, mais hélas, le courage fait pas tout. Et là, face à une équipe tarbaise qui est assez aussi intraitable chez elle, elle tarde rarement dans son entre. Voilà, c'était un petit peu compliqué pour Bourg, mais qui quand même accroche, eux, le bonus défensif. Et moi, je trouve que c'est plutôt une très belle performance. Maintenant, ne nous cachons pas, hein, Martin, ça va être très, très dur pour Bourg de rester dans cette Pro D2. Chaque semaine qui passe est un véritable combat pour essayer de rester dans ce championnat. Et puis alors le loup qui poursuit sa lancée, il se retrouve premier du classement cette semaine. Le loup qui s'est imposé face à Albi, 13e au classement, 32 à 25 donc pour Lyon. Oui, mais les joueurs du loup qui sont un petit peu moins bien, Martin. On les avait vus totalement survoler les 12 premières journées. Et puis, mi-décembre, il a commencé à y avoir des petits accrochages à l'extérieur. Hein, une défaite à Tarbes, une défaite à Agen. Bon, après, ils se sont mis un petit peu la tête à l'endroit. Mais après, ils ont rechuté à Narbonne. Bon, et Martin, vous allez me dire, contre des équipes qui sont quand même costauds, on le verra dans le classement. Et puis, là, contre Albi, on s'est dit, bon, voilà, le loup va planter les 5 ou 6 essais, va prendre le bonus offensif. Albi, 13e. Ils ont bien...
ils ont bien mis les 5 essais, mais manque de peau. Les Albigeois en ont marqué 3, donc privant le Loup offensif. Et comme je l'ai dit, le Loup, on va le voir au classement, on va revenir des prétendants sérieusement sur leur crampon. Et oui, Philippe, plus que donc le Loup est premier avec 65 points, mais 4 points derrière, on retrouve Agen, deuxième avec 61 points, Pau est donc troisième avec 56 points, Colomiers sixième, Tarbes septième, Bourgoin neuvième avec 40 points, Auch est 14e avec 27 points, Bourg-en-Bresse 15e, 26 points, et Carcassonne un peu plus loin avec 22 points et qui se retrouve en dernière position. Voilà donc Philippe cette semaine pour la Pro D2, la 18e journée. Voilà, on a été complet, donc comme je le disais Martin, le championnat va faire relâche, en tous les cas le championnat... Top 14, je crois même d'ailleurs la Pro D2, Martin, si je dis pas de bêtises, va faire une petite pause de 15 jours. Donc pour certains clubs, comme on l'a dit, surtout pour Toulon, pour Clermont, pour Toulouse, ça va peut-être être l'occasion de régénérer un petit peu les organismes de certains de leurs joueurs qui, encore une fois, ont fait une campagne européenne où on y laisse des plumes, quoi qu'il arrive. Place, Martin, donc au tournoi Destination. Avec dès samedi prochain le crunch, le fameux France-Angleterre, 18h. Voilà. Bon, espérons, Martin, qu'on fasse tomber ces Anglais parce que depuis quelques temps, là, ils nous asticotent un petit peu. Donc, j'aimerais bien quand même que le coq gaulois renverse la rose et ses épines. Effectivement, voilà. Puisque on sait tout l'amour que peut avoir Philippe pour ces Anglais. Je viens d'avoir confirmation, effectivement, donc pour la Pro D2, ce sera le week-end du 8 et 9 février, hein, la 19e journée. Voilà. Voilà, donc place au tournoi des destinations, Martin, et tous derrière nos écrans des samedis avec un, je crois, un Galitani qui doit ouvrir le bal. Le samedi en début d'après-midi, si je ne m'abuse. Voilà, donc bien évidemment, édition spéciale dans Rugby Time pour vous faire vivre, en tout cas pour vous faire revivre ce tournoi Destination avec en prime un match France-Angleterre. Merci beaucoup Philippe pour toutes ces précisions et puis bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, Martin. Très bonne soirée. Merci beaucoup, Philippe. Au revoir. Au revoir.